le premier jour de tournage, j'ai dit, oui, à un moment, j'ai dit stop, arrêtez. Je lui ai dit, arrête de faire le chien, et pourquoi il louche lui? J'ai été perdu le premier jour de tournage. Hey, salut les mecs de Vanity Fair. Salut les mecs de Vanity Fair. C'est JP Zadi et Laetitia Dush. C'est ça. On est là pour le game show. Le game show, t'as capté? Ouais frérot. Oh waouh, la gênance. Oh mon dieu. Allez, vas-y, on y va. Quel a été mon moment de tournage préféré avec le chien? Oh, tu dois savoir quand même. C'est quand il a réussi à faire toupie avec le chien. Oui, c'est ça. Il a réussi à faire tourner de lui-même le chien autour de lui. Ils ont réussi à se comprendre avec Cody. Oui. C'était ça. Franchement, il y a des petites satisfactions comme ça dans la vie qui marquent. Surtout comme, que t'aimes pas trop les chiens au départ. Non, arrête de dire ça. Mais t'aimes bien les chiens maintenant? Oui, j'aime bien les chiens. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas que j'aime pas trop les chiens. C'est-à-dire que comme mes parents sont des Africains, on n'a pas été éduqués en présence d'animaux domestiques. Tu comprends? Nous, on est des Africains, on a une certaine distance avec tout ça. Que vous n'avez pas, mais il n'y a aucun problème avec ça. On est tous ensemble, on fait une société, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, je n'avais pas un rapport de proximité avec les animaux. Et c'est vrai que le fait de traîner un peu avec le chien, de m'entraîner avec lui et tout, ça m'a un peu réconcilié avec le genre. C'est vrai. Oui, un point pour Laetitia. Ah ouais, là, elle peut pas savoir, ça. Non, mais je vais deviner. Tu vas deviner? Ouais, je vais inventer un truc. Ok, qui est-ce que j'imite le mieux? Patrick Sébastien. Non, il fait partie des rêves pour moi, ça c'est clair. Mais, mais non, c'est pas lui que j'imite le mieux, non. Celui que j'imite... Chirac? Ouais. Fais-le. Ouais. Crac, crac, bambou. Crac, crac, badaboum, bonjour. Putain, il est hyper bien. Ouais. Je suis gêné parce que ça fait partie de mes petits talents... que voilà, que je montre pas, mais t'es fort hein, quand même. Comment tu savais que c'était Chirac? Parce que c'est facile à imiter. Il te ressemble aussi. Ah ok, ouais, là tu vas pas savoir. Très bien. Si j'étais pas artiste, quel métier est-ce que je pourrais exercer? Peut-être tu pourrais travailler comme plombier chauffagiste avec ton cousin Séverin. Oh waouh. Ah, là tu dis des trucs perso. non, j'aurais pas fait plombier chauffagiste avec lui, mais même si j'adore mon cousin Sébra, mais j'aurais pas fait ça, non. Sur le tournage, on lui avait mis un book. Ouais. Il dit tout le temps, oh, on dirait mon cousin Séverin, je l'adore. T'as dit que c'était un gars sûr. Ouais, c'est un gars vraiment sur qui on peut compter. Il est très gentil, il est good vibe, il est cool. Il m'a montré plein de choses quand j'étais petit et tout. Il jouait au basket. Il est vraiment super. Mais sauf que son book qu'il a encore aujourd'hui, ça me dérange vachement. Il a boucle d'oreille peut-être aussi. Oui, il a une boucle d'oreille aussi comme ça et tout. Ça me dérange vachement parce que ça marchait bien dans les années 90. Écoute, je profite de l'occasion pour te dire, Séverin, arrête tes conneries. Rase-moi ce book là et enlève cette boucle d'oreille, s'il te plaît. Et donc, quel métier j'aurais exercé? Je pourrais exercer? Rappeur? Allez, touche à la corde sensible, là. Hein. Allez, quelle manipulatrice. Ah oui, mon vrai rêve, c'était j'adore d'être rappeur. J'adore quand tu rappes. Jean-Pascal, j'adore quand tu rappes. On va pas faire ça, Vanity Fair. Mais... Oui, c'est vrai, j'aurais aimé être rappeur. Oui, on peut lui donner le point, ouais. Putain, elle manipule, hein. Putain, elle est forte, hein. Quelle est ma meilleure blague? C'est quoi? C'est... Quand Jean-Pascal se met en costume pour un film, il est très grand, donc il dépasse des paravents. Il dit « Attention les filles, je me change, attention les yeux. » Et tout s'arrête sur le plateau et c'est sa meilleure blague. Il y a aussi la blague qui est « Les Français m'adorent », qui répète tout le temps pour rigoler. Ah ouais, tu vas vraiment dans l'intime, dans le... Ah ok, et oui c'est ma blague, mais c'est ma meilleure blague, oui c'est vrai. C'est elle est très drôle. Blague. Alors ça c'est impossible, elle a combien de points là? Mais j'ai été quand même très gentil avec toi. J'ai fait les questions que tu pouvais, auxquelles tu pouvais répondre. Et là, c'est impossible que tu... Ah, voilà, tu vas pas gagner. Quel était mon premier boulot? Bibliothécaire. Non. Non, je sais pas. Bah, mon premier boulot, c'était vendeur. Allez, ciao, bon dimanche. Perdu! Vendeur de quoi? Vendeur de téléphone portable sur les Champs-Élysées. Et je vendais... J'avais fait un BTS Action. Coup en alternance et j'étais vendeur de portable. Allez, ciao, bon dimanche. Ouais, c'est ça, parce que du coup, faut que je sais que je fasse le jeu. Oui, mais sois gentil quand même. Moi, je t'ai grave aidé. Et si je pouvais gagner quand même pour mon image, ce serait pas mal. C'est trop dur pour toi. Non, vas-y, t'inquiète. Qui est le plus bordélique? Bah, c'est toi. Je pense que c'est toi. Bah, ça, c'est vrai. Je perds tout. Bah, voilà, j'ai rien d'intéressant à dire, mais c'est vraiment moi, quoi. Ouais, et chez toi, c'est rangé un peu ou pas? Non, c'est bordélique. C'est bordélique, je m'en doutais. Alors que chez lui, je suis sûre que c'est très rangé, même si je suis jamais allée. Non, c'est bordélique, mais bordélique rangé. Je sais où c'est. Quand j'arrive, je jette,
mais je sais où j'ai jeté. Donc après, c'est facile pour moi de récupérer. Mais j'ai quand même un point. Vous pouvez m'applaudir quand même ? Ah ouais, les gens, ils sont pas dans le truc. Quel a été mon plus gros fou rire sur le tournage ? Je C'est à moi de répondre. Ah oui, pardon, c'est à toi, oui. Waouh, elle est totalement mégalo. Elle pose la question et elle veut répondre à sa question. Ton plus gros fou rire sur le tournage ? Mais non. Ah, le mien ? Oui, le tien. Oh merde, oui. Mais j'ai répondu pour toi, j'ai rien compris. C'était quoi pour moi ? Bah, c'était le premier jour de tournage. Ah oui, c'était le premier jour de tournage. Oui, alors je vais te raconter. Le premier jour de tournage, on était sur le jugement du chien où je devais mimer les gestes du chien. Et donc j'arrive, elle m'a pas prévenu que François Damien s'allait loucher. Et elle, derrière la caméra, elle faisait le chien derrière la caméra. Je t'ai dit, elle vit tellement son film qu'elle était comme ça. J'ai dit, oui, à un moment, j'ai dit, stop, arrêtez. Je lui ai dit, arrête de faire le chien. Et pourquoi il louche, lui ? Elle m'a dit, non, mais il louche parce qu'il a trouvé ça pour le film, c'est charmé, machin et tout. Parce qu'il est aveugle. J'étais perdu le premier jour de tournage. Et j'ai le point ou pas ? C'était ça ton plus gros point ? Moi, ouais. Je t'ai donné des points. Ouais, c'était ça. C'était ça, il a trop dur deviné. C'est quoi mon meilleur souvenir à Cannes, à ton avis ? Bah, c'est quand les gens ils t'ont applaudi à la fin du film. C'était vraiment hyper émouvant, les gens ils ont adhéré au film. Et je trouve que le public il est passé par beaucoup d'états, ils rigolaient. Après, ils étaient touchés. Comme le film est réussi. Non, jamais. Comme le film est réussi, moi je trouve en tout cas, du coup les spectateurs passent par beaucoup d'émotions, mais le rire il est quand même là, il est quand même présent à chaque fois. Je pense que c'était un beau moment que t'as vécu quand même. Moi j'ai dit aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est-à-dire ? Bah là, c'est exactement ce que tu racontes, donc j'ai l'impression que tu es en train de gagner des points comme un gros malade. Ouais. Tout ça, il faut dire à chaque fois, c'est génial. Bravo ! À ton avis, c'est quoi mon chien préféré à part Cosmos au cinéma ? Beethoven. Oui ! Ton chien préféré, c'est Beethoven au cinéma, elle adore ce chien. C'est un Saint-Bernard. C'est un Saint-Bernard, elle adore les Saint-Bernard. Les Saint-Bernard, c'est vraiment des chiens avec un grand cœur. J'ai quand même une question à te poser, comment t'as choisi Cody ? J'avais fait tout le tour des dresseurs de chiens de France. Je trouvais pas le chien, je vais à la radio. J'ai passé ma journée à faire un casting pour chiens. Et les dresseurs m'ont entendu, ils m'ont envoyé un lien vers leur site. Et là, je vois ce chien quand même, qui a vécu dans la rue longtemps en fait. Il a vécu dans la rue ? Ça se sentait, il avait des habitudes un peu de chien clochard. Bah, parfois, ouais. Il était là, il sentait à la cantine, il était ouais, très bizarre. Ça, c'est mais vrai, par contre, comment on fait un casting de chien ? Bah, y a plusieurs façons, c'est ça qui est intéressant. Genre tu vas chercher certains dresseurs et ils te les présentent sur des présentoirs. Genre ils t'amènent le chien là pour que tu le regardes. C'est dégradant un peu. Bah moi ça me met pas à l'aise. Ouais. T'en as d'autres qui vont jouer avec, t'en as d'autres qui vont te faire jouer avec. Et y en a tu les sentais pas quoi. Cody il avait une bande démo. Bah oui, vous pouvez la regarder sur internet, il a sa bande démo, elle est trop belle. Il partait avec un avantage. Et tu conseilles à tous les dresseurs de faire des bandes démos de leurs chiens. Je sais pas, ça montrait l'amour des dresseurs pour leurs chiens qui peut-être l'amour qu'ils avaient pour l'argent aussi, non ? Ouais, je crois pas. Je crois qu'ils aiment. Non, parce qu'ils font, tu sais, ils font plein de pièces de théâtre dans des endroits tout petits avec leurs chiens. Ils sont pas là-dedans, quoi. Ils sont pas là-dedans ? Non. Ok. Enfin, pas plus que toi. Oh, waouh, ça tire à balles réelles. Qu'est-ce qui me fait rire à chaque fois ? François Damien. En fait, je pensais que je répondais à ta place. Je sais que François Damien, il te fait rire à chaque fois. Ah oui, d'accord. Non, toi, qu'est-ce qui te fait rire à chaque fois ? L'injustice, non ? Ça te fait rire à chaque fois ? Mais en fait, Jean-Pascal, on a une scène d'amour qu'on joue ensemble. Et dans les rushs, à la première prise, on entend off qui dit « Attention meuf, hein, t'emballes pas, c'est que du cinéma. Hein. » Et à chaque fois que j'entendais, des fois je voulais la repasser pour l'écouter tellement ça me faisait rigoler. Ah, ça te faisait rire ? Oui, bon, tu sais, avoir un physique agréable, c'est pas facile tous les jours. Non, mais tu souffres, hein ? Ouais, tu souffres d'être objectif. Bah oui, bah tu sais, je pense que François Damien, il a pas ce problème, toi. On l'a pas pris parce qu'il est beau, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais ? Tu l'as pris, il est beau, François. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Si François Damien, s'il est magnifique, moi, je suis quoi ? T'es très beau aussi. Ok. Ah, je m'applaudis tout seul. Ah ouais ? 4-4. Bravo, François. Bravo, ma beau. Merci Vanity Fair. C'était vraiment super de parler avec vous. Nous, on est là pour le procès du chien, c'est mon film, il joue dedans. Ouais, et c'est un sacré bon film. Et vraiment, je le dis pas parce qu'elle est là, je le dis parce que je le pense. Qui sort le 11 septembre, c'est pas une date très gay, mais le film est gay. Vous pouvez pas mieux finir. Allez, salut Vanity Fair. Bonne journée salut à le public, tous. Salut le où public. Que vous soyez. Où que vous soyez. Si vous êtes en train de faire la cuisine, et je sais pas quoi. Le jour ou la nuit, il n'y a pas de souci. Salut le public. À bientôt. Pour Vanity Fair.